Hey, salut tout le monde, c'est Rake, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 5 des comparatifs des cartes de fut 14 avec les cartes de fut 15. On est enfin à la moitié. Là ça commence à être vraiment intéressant, vraiment des joueurs que j'ai beaucoup apprécié cette année, que j'ai pas mal testé, surtout deux que j'ai vraiment beaucoup apprécié, deux que j'ai pas trop joué, et un je peux pas trop juger dessus parce que j'y ai joué, mais sans plus, on se retrouve tout de suite les gars. Donc mon premier joueur les gars c'est Xabi du Barça qui était à 89 de général qui descend à 86, donc voilà c'est vrai une saison assez compliquée, c'est vrai qu'il commence à se faire vieux, mais bon ça reste quand même une star, on peut dire même une légende, une semi-légende on va dire. Il passe de 89 à 86, donc le petit moins 3 de général. Par contre les stats, 66 en vitesse ça bouge pas, le 73 de tir passe à 72, son 92 de passe reste quand même à 91, donc ça reste quand même du Xabi. 86 de dribble à 85, la défense moins 8. Auparavant il avait 54 de tête, maintenant il a 58 de physique. Le deuxième joueur, un joueur que j'ai toujours apprécié, que vraiment j'ai beaucoup joué avec sur FIFA 14, j'ai voulu me l'acheter plusieurs fois en tot, et plusieurs fois j'ai eu le regret de voir que j'avais pas assez de crédit. Franchement Agüero c'est vraiment été, pour moi c'est un peu similaire à Suarez, les deux, mais les deux dans une équipe ça ferait, pff, ça ferait des malheurs. Mais Agüero vraiment a l'air vraiment sympa, même pour l'année prochaine. Donc son général certes descend de 2, sa vitesse ne bouge pas, les tirs augmentent de 2, les passes de 4, le dribble moins 2. Comme tous les joueurs offensifs, vous le savez depuis 4 épisodes maintenant, la défense baisse, donc là, il passe de 44 à 28. Et auparavant, il avait 72 de tête, et maintenant, il a 66 de physique. Donc c'est vrai que beaucoup de joueurs baissent dû à leur descente en défense, donc tout ce qui est les tacles et tout, donc le général va baisser directement. Di Maria, un joueur qui a été transféré avec un petit changement de poste, donc voilà, il a toujours 86 de général. C'est vrai qu'au Real de Madrid, il commençait à jouer milieu offensif après l'arrivée de Bale. Enfin, depuis que Bale est là, le temps que ça se forme et tout, il a commencé à jouer milieu offensif. Moi, je l'ai préféré en milieu offensif qu'en milieu droit, mais je trouve que vraiment Di Maria, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Je l'ai pas mal testé, mais je peux pas trop donner mon avis encore dessus parce que j'ai joué beaucoup sur FIFA 13, je le trouvais vraiment très bon. FIFA 14, un peu moins bon, mais je pense qu'en milieu offensif, en Barclays League, pardon, il peut vraiment faire mal. Donc le général ne bouge pas, la vitesse ne bouge pas, les tirs augmentent de 1, la passe, les passes pardon, ne bougent pas, le dribble plus 1, la défense moins 1. Il prend pas trop, hein, souvent les attaquants et les milieux offensifs descendent de 15, 20, 25. Lui non, juste moins 1, donc ça va. Et auparavant il avait 62 têtes, il a 71 de physique, je pensais pas qu'il était aussi physique. Le quatrième joueur c'est Royce. Royce, hein, un joueur que j'ai kiffé, je pense même que c'est le joueur que j'ai le plus apprécié cette année. Franchement avec Agüero, franchement j'ai fait plusieurs fois des petites hybrides Agüero-Royce. Et vraiment, Royce vraiment est super fort, pardon. En Bundesliga, des fois j'avais les crédits pour Ribéry. Et c'est vrai que Ribéry pour moi était moins bon que Royce, juste il avait 5 étoiles. Donc des fois je prenais Ribéry. Mais c'est vrai que Royce a une super frappe, une super vitesse, des super passes, super vif. Vraiment un excellent joueur. Donc il prend plus 1 malgré sa lourde blessure qu'il a eu pendant la saison. Donc j'ai pas trop compris, mais bon, toujours le plus 1 qui fait plaisir. La vitesse ne bouge pas, les tirs ne bougent pas. Les passes plus 4, le dribble ne bouge pas, la défense moins 14. Et auparavant, il avait 62 têtes, il passe à 65 de physique. Ça promet, franchement, Royce y promet. Et un joueur que j'ai pas trop testé, c'est comme Xabi, je l'ai pas trop testé. Müller, vraiment Müller qui est vraiment, pour moi, un joueur de coupe. Vraiment, en Bundesliga, il est pas énorme, on va dire. Par contre, tout ce qui est Champions League, Coupe du Monde, Euro et tout, je trouve que Müller est vraiment toujours présent. C'est pour ça qu'il gagne le plus 1. Hein. Pas de changement de poste pour lui. La vitesse, moins 1. Le tir, plus 3. Les passes, plus 1. Le dribble ne bouge pas. La défense, moins 7. Et auparavant, il avait 74 de tête. Maintenant, il a 72 de physique. Donc, j'espère que l'épisode 5 vous aura plu. Là, ça commence à avancer. Hein. On est déjà 86 des générales. Là, on commence à taper dans les bons joueurs. Agüero, Reus, Di Maria et tout. J'espère que la série vous plaît toujours autant. À la fin des 10 épisodes, parce qu'il y a 10 épisodes vu que je vais vous présenter 50 joueurs, donc 10 x 5, 50. Je vous ferai aussi les légendes, donc exclusif à Xbox. Donc dites-moi si ça vous plaît, si ça sera pas trop long et pas trop court par rapport à la sortie de FIFA 15. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Rake, ciao, bye bye, peace!